Salut les gars, bienvenue sur musculationprésonance.com, c'est Étienne. Et c'est Charles. Charles de retour de vacances. Ben oui, absolument. Yes. Un peu plus bronzé que jamais. Ça se dit ça? Je pense à ce qu'il va voir. Ok, c'est bon. Moi, je me tiens bien gros dans les salons de bronzage. Hein. Ouais, ouais. J'ai la peau, il faudrait toucher à ça, c'est comme du cuir. Une manne, quand tu y vas tous les jours au salon de bronzage, c'est comme du cuir. Tu t'es fait enlever 2-3 cancers, hein? Ouais. Des mélanomes, ça de gros, dans le dos, vous le voyez pas, là, mais ça de gros dans le dos. Il y a un trou dans le dos. Plusieurs trous. Il dit qu'il est allé à la guerre, ça pogne. Ouais. Yes. Ça fait prendre la masse. Les mélanomes. Les gens sur le cancer, ils ne sont pas connus pour être full. Non, hein? Non. Non, ils ne sont pas toujours pas en shape. Bon, sur musculationprésonance.com, on vous donne des conseils scientifiques de musculation. On répond à vos questions de musculation. Ouais. Puis on vous montre des exercices de musculation. Ouais, Charles pas encore full d'enthousiasme. On était rendu hard un peu avec Les jokes sur le cancer, mais en tout cas, demain, on fait une joke sur la relation homme-femme. Ça va être bien naturel. C'est bon. Ben oui, le cancer, c'est sérieux, dans le fond. Mm. Ben oui. OK, fait qu'on va arrêter d'en parler. OK, les gars, aujourd'hui, avant de répondre à la question de Kevin, on va une couple de petites annonces à vous faire. Ouais. Première annonce, cette semaine, c'est la fin du concours de transformation physique, déjà, qui commençait au début de l'été, ben oui. Yeah. Fait que là, toute la gang qui nous avait envoyé votre photo et qui a gagné 10 livres de muscle ou perdu 10 livres de gras, c'est le temps de nous envoyer votre photo après, dans le fond. Mm-hmm. Fait que vous prenez votre photo en chess. Et vous nous envoyez le poids le jour de votre photo. Vous vous pesez ce jour-là. Et là, on va vous répondre et vous dire quoi faire pour avoir 100$. Oui, dans le fond, on ne veut pas faire étirer ça non plus sur des mois et des mois. Là. Donc, on vous demanderait de nous envoyer votre photo avant quoi, samedi soir, minuit. Oui. Ça a de l'allure, ça? Ça sonne bien, ça. Samedi soir, minuit. Ouais. Fait que là, sachez-le, là, le samedi soir à 11h59, le bureau de poste n'est pas ouvert. C'est fini. Là. Puis celui qui nous envoie ça à minuit 5, là, ça ne marche pas. Ouais. De toute façon, le bureau de poste. Oui, vous nous envoyez ça par email. Là, par email, on s'entend, oui. OK. Good. Fait que cette semaine, les gars, toute la gang qui était sur le concours de transformation, là, les 17 ans, vous allez recevoir un magnifique 100$. Mm-hmm. Signé de la main d'Étienne. Hein? Peut-être signé de la main de Charles. Ouais, on va voir. Ah, parce que tu veux dire, je vais les envoyer des chèques, t'as raison. Ben oui. Ça sera pas un 100$ cash dans la poste. C'est comme un autographe en plus que t'as fait. Wow. Moi, si je recevais ça, je le framerais. J'irais pas le déposer. Ça doit prendre la valeur. Fais-moi en un, je te jure, je le déposerai pas, Étienne. C'est ça. Mais moi, là, de 5 000, tu sais, c'est pour être sûr. C'est ça. Il va être plus beau dans le cadre. Uh-huh. OK, deuxième annonce, sondage. La semaine passée, sondage sur les stéroïdes et les réponses ont été intéressantes. Grosso modo, c'est 60-30-10. 60% des gens ont dit « j'en ai jamais pris, ils n'ont pas l'intention d'en prendre ». 30% des gens ont dit « j'ai déjà pensé, mais j'en ai jamais pris ». Puis 10% là-dessus, on avait 6% des gens qui en ont pris une fois pour essayer. Puis 4% des gens qui en ont pris deux fois et plus pour essayer. Mm-hmm. Moi, j'ai pas pris de chance, je voulais pas devenir trop énorme. Fait que je m'injecte des mollets. J'ai des gros mollets. C'est la deuxième fois que tu sors celle-là. C'est vrai, hein? T'es âme, tes mollets, hein? C'est juste parce que vous pouvez pas les voir en dessous de la table. Une chance, ça fait peur. That's it. C'est pour ça, mais on est à distance de même parce que je touche à son mollet, en fait. C'est pour ça que je ne peux pas être plus proche. C'est pour ça. Correct. Fait que, donc, la semaine passée, c'était sur les stéroïdes. Merci d'avoir répondu à ça. Puis moi, ça m'a surpris parce que je pensais qu'il y a plus de gens qui y avaient pensé. Mm-hmm. 30% des gens seulement y ont pensé. C'est quand même considérable, là, mais c'est un peu moins que ce que je pensais. Puis il y a quand même 60% du monde qui ont jamais pensé. Ils disent « Non, moi, je toucherai jamais à ça. J'ai pas l'intention d'en prendre. » Fait que encore une fois, ça me permet un petit peu de plus savoir comment ça se passe entre vos deux oreilles puis de mieux répondre à vos questions. Ouais, puis on aura peut-être une semaine thématique, un de ces quatre, sur l'utilisation des stéroïdes. Sure. Ben pour pouvoir jaser de ça, probablement avec un expert, quelque chose comme ça. Ouais, on essaye. On essaie. Mm. Fait que si vous êtes intéressé, on va vous revenir là-dessus. That's it. Donc, cette semaine, le sondage, ça va être sur votre utilisation de suppléments. Il va y avoir une liste à cocher, donc des petits carrés. Vous cochez tous ceux que vous prenez. Mm-hmm. Fait qu'on va les mettre là, au complet, créatine, protéines, oméga-3, pré-workout, fat burner, amenza. Puis là, tu coches tous ceux que tu prends semi-régulièrement. T'sais? Si tu en as pris une fois, genre ton chum, il t'en a donné deux parce que tu allais t'entraîner avec, ça compte pas. Ceux que tu prends genre régulièrement. Tu mets l'ecstasy là-dedans, là, oui. Un workout, ça haït, ça n'aurait pas pire. Ça n'aurait pas pire, hein? Si tu passes plus de temps, je pense, avec la fille à réception que... Tu caresses la barre. Belle barre. OK. Toujours dans les annonces. Mm-hmm. Cette semaine, le plan alimentaire est en spécial. Oh yeah! Oh, donc, yes. Plan alimentaire et formation toute spéciale également qui va avec la thématique du plan alimentaire. Étienne va vous dévoiler
dans la formation ce soir, right? Oui, la première ce soir. Ce soir, il va y en avoir une jeudi soir et une samedi matin également. Étienne vous dévoile sa meilleure collation. Peux-tu dire ça? Tu peux dire ça. Sa meilleure collation pour réussir là, à avoir le bon nombre de calories durant votre journée pour prendre de la masse, avoir assez de protéines, avoir assez de glucides et tout le kit. Parce que ce qu'on réalise, c'est que les gars font comme ce qu'il faut, mais à trois quarts de ce qu'il faut pour leur nutrition. Fait que si vous voulez aller chercher ce qui manque, mais une collation durant votre journée, un repas supplémentaire, c'est souvent ce qui va vous donner la quantité de calories supplémentaires, la quantité de protéines qui vous manquait. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et justement, mais dans le plan alimentaire qui est en spécial cette semaine, on a un bonus qu'on vous offre. Ça s'appelle le top 5 collations. Donc, vous avez les meilleures collations pour prendre de la masse musculaire. Et rajouter des calories à votre alimentation pour prendre de la masse. Et d'ailleurs, le plan alimentaire comme tel, c'est la Cadillac. Si vous posez la question depuis toujours, c'est quoi que je dois manger pour réussir à prendre de la masse, mais on vous donne la solution. Et le plan alimentaire, c'est pas quelque chose comme vous devez manger là, un sandwich au poulet à tous les midis pour le restant de votre vie. C'est, dans le fond, là, la bonne quantité avec les portions faciles à comprendre pour être en mesure de savoir exactement les quantités alimentaires à manger et quoi manger. Donc, vous pouvez changer votre alimentation à tous les jours, mais vous savez les quantités de chacun des nutriments à avoir. C'est super facile à comprendre et vous pouvez avoir votre plan alimentaire que vous allez pouvoir utiliser pour le restant de votre jour, de vos jours, pour savoir finalement la quantité de nutriments à manger, pour optimiser votre prise de masse. Puis c'est personnalisé en fonction de votre taille, votre poids, ce que vous faites comme travail, la quantité d'énergie que vous dépensez. Donc, il y a une petite marge d'erreur, là, mais vous êtes à peu près assuré que si vous mangez cette quantité de calories-là, vous allez maigrir, si c'est votre objectif, donc coter ou prendre la masse. Donc, personnalisé et en vente cette semaine, l'information en dessous de vidéo. Les collations, c'est intéressant. Oui, tu disais un repas de plus pour aller chercher le bon nombre de calories dans la journée, mais souvent, c'est trop long faire un repas de plus, on n'a pas le temps. Puis je pense qu'une des raisons qui fait que les gens ne mangent pas assez, c'est parce qu'ils n'ont pas le goût de se préparer un repas. Ah. Mais la collation, tu sais, quelque chose que tu peux manger en moins de 5 minutes, c'est prêt tout de suite. Puis là, tu as tes calories et tes protéines. C'est ça le sujet de ma formation cette semaine. Fait qu'allez voir ça. Puis ça vous aide à prendre la masse. Ceux qui ne mangent pas assez. Bon, excellent. Mais on a une question, toi. Une question, Talanouche. Ben, on va faire ça. OK. La question, on va répondre pour les membres. Ouais, c'est ça. Kevin de Montréal, 15 ans, 2 ans d'expérience en musculation, 1m70, 73 kg. Mm-hmm. Pour avoir une bonne définition des muscles, il faut prendre beaucoup de masse musculaire, puis après maigrir pour perdre de gras. Ouais, c'est mieux de le faire en deux cycles comme ça, c'est pareil. Ouais. Comment savoir si on est prêt à maigrir pour devenir cut? À quel moment est-ce qu'on switch d'un cycle de prise de masse à un cycle de cut? C'est bon, es-tu capable de répondre à ça? Moi, je vais donner ma version là, pour... quand est-ce alterner là, habituellement, dans le fond, là, une prise de masse musculaire puis devenir. OK. Veux-tu la garder pour les membres? Ouais, oui, je vais garder ça pour les membres. Parfait. Fait que je vais vous répondre là-dessus. Comment savoir si on est prêt à maigrir pour devenir cut? Il y a plusieurs aspects à considérer. Le premier aspect, je pense que c'est le plus important, c'est quand toi, t'es tanné d'engraisser. OK? Ça, c'est une préférence individuelle, individuelle, c'est-à-dire... Il y a des gars qui, à 15 % de gras, ils se trouvent vraiment trop gras. Moi, comme mes abdos sont tout le temps définis. Naturellement, je suis quelqu'un qui est plutôt maigre, puis j'ai de la difficulté à prendre de la masse. Je vois tout le temps mes abdos. Une fois dans ma vie, j'étais autour de 15-15,5 %. Je ne voyais plus mes abdos. J'étais « hi ». Il me semble que je vais maigrir. Clac, je suis redescendu. Mais il y a des gars qui, 15 % pour eux autres, c'est maigre. Puis ils seraient contents d'être à 15 %. Puis, eux autres, monter jusqu'à 25, il n'y a pas de problème. Ils ont toujours été comme ça. Puis, ils aiment le reflet qu'ils voient dans le miroir, comme ça, quand ils sont à 15, même 20 ou 25. 20, ça a encore de l'allure pour eux autres. Fait que comment savoir si tu es prêt à maigrir pour devenir cut? Bien, c'est quand tu es tanné d'engraisser. Première réponse, si tu te trouves trop gras, vas-y, cut, tu sais. Deuxième réponse, c'est sûr qu'il y a une question de santé là-dedans. Mm-hmm. Si tu passes ton année autour de 20 % de gras ou même 30 % de gras, il y a des risques pour ta santé, spécialement des risques au niveau des maladies cardiovasculaires. Fait que ça vaudrait la peine que tu maigrisses. T'sais, si au lieu de passer ton année entre, mettons, 20 puis 30, si tu veux la passer entre 15 puis 20, tu vas avoir moins de risques de mourir avant ton temps. Prochain point, comment savoir si tu es prêt à maigrir pour devenir cut, c'est quand ton cycle de prise de masse, ça fait longtemps qu'il dure. Mm-hmm. Le corps s'adapte, le métabolisme de base s'adapte à ton apport énergétique en augmentant ou en diminuant ta thermogenèse. La thermogenèse, ça, c'est ton corps qui prend des réserves d'énergie puis qui brûle pour faire de la chaleur.
Okay? Il fait vraiment de la chaleur avec ça. Ça se passe au niveau des membranes de la mitochondrie à travers, entre autres, une protéine qui s'appelle la uncoupling protein. Puis là, elle a une histoire, cette protéine-là, je ne vous la conterai pas. Mais le point, c'est que tu brûles d'énergie, dans le fond. Tu brûles des substrats énergétiques, des sources d'énergie pour faire la chaleur au lieu de produire du mouvement. D'habitude, on dit qu'il faut bouger plus pour maigrir. Mm-hmm. Bien là, tu fais juste faire la chaleur pour brûler ces calories-là en trop. Puis quand tu manges beaucoup, un gros surplus d'énergie longtemps, ton corps, il devient très efficace pour brûler ces calories-là pour rien, puis pas te faire prendre de masse. Et ça crée un genre de plateau dans ta prise de poids parce que ton corps est habitué d'avoir un apport steady, un surplus énergétique steady, de manger beaucoup mm-hmm. puis de brûler beaucoup. Puis, d'après mon expérience, c'est intéressant de couper les calories pour... Dans le fond, ralentir la fournaise à l'intérieur qui brûle les calories pour rien. C'est intéressant de couper ces calories-là après 6 à 8 semaines. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Mm-hmm. 6 à 8 semaines. Ben, c'est un petit peu les explications que j'allais donner pour les membres. Fait qu'on va leur donner autre chose. Tu ne peux pas me poser trop de questions là, parce que sinon, je vais te dévoiler mon punch. OK. Mais tu peux continuer par toi-même si tu veux. Bon, ben, écoute, je vais finir. Là-dessus, moi, 6 à 8 semaines, je te dirais, ça commence à être dans le top, Kevin. Une autre façon de le savoir, c'est quand est-ce que tu as arrêté de prendre la masse. Tu sais, tu manges le plus possible. Là, peut-être toi, ça va être 10 semaines, mais après 10 semaines, tu as beau te bourrer, là, ou même tu as pris un plan alimentaire, tu manges le nombre de calories qu'on mm-hmm. t'a dit, mais tu prends plus de poids. Probablement que tu as chaud, tu sais. Si vous êtes du genre, là, tu sais, vous dormez pas de couverte, là, l'hiver, c'est parce que vous chauffez à la chambre, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être... Ou il y a une fille à côté de vous qui... qui chauffe la chambre avec vous. Exactement. À pas 500 mètres. Moi, je le voyais autrement, mais c'est correct. En tout cas, salut de votre choix, imaginez-vous ça, là. Ouais. Donc, toujours est-il que, voilà, les trois facteurs à prendre en considération pour savoir quand c'est le temps de devenir cut, tes préférences personnelles, ta santé, puis est-ce que tu brûles toutes tes calories en chaleur. Mm-hmm. Fait que Charles, pour les membres? Pour les membres, exclusivement pour les membres, je vais vous donner, dans le fond, la quantité de semaines après combien de semaines finalement changer entre prise de masse et perte de gras. Je vais vous dire, si vous êtes un débutant, combien de temps vous pouvez tenir sur un même cycle parce que c'est différent pour un débutant. Je excellent. Cool, j'ai hâte d'entendre ça. Voilà. Merci de nous écouter, les gars. Salut, les gars. Vous avez hâte de voir Charles et Lotto. Vous allez le revoir demain sur musculationprisdemasse.com. Salut. Bye.